Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui comme d'habitude, du très très lourd, le KVK de la mort, il commence enfin. On ira voir aussi un tout jeune KVK, quelques ouvertures et tips comme d'habitude les amis. Mais si ce n'est pas encore fait, bien évidemment les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater, à désintégrer, à pulvériser le plafond des 10 000 abonnés. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On est tout proche des 2000 membres sur le Discord. Venez y retrouver toutes les infos que vous voyez dans mes vidéos et tous les conseils donnés par la communauté. Les amis, avec une grosse section recrutement et jump, bien évidemment. Les amis, pour commencer cette vidéo, regardons les events. Ça n'a pas bougé. L'assaut de Ceroli, toujours à faire. Hein. C'est toujours du stuff gratuit, hein, on le fait en boucle, mais sinon rien de particulier. La taverne légendaire, j'ai presque 10 clés. Vous le voyez peut-être, si j'ai une statue que j'ai déjà, j'aurais 10 clés. Non, des étoiles. Comme d'habitude, des étoiles. Toutes nazes, tuiles et briques, hein, et rien de particulier. Rien d'annoncé, et les events saisonniers qui arrivent à leur fin. Je pense qu'on devrait avoir une petite annonce de mage. Allez, je pense la semaine prochaine, ça sent bien la mage, ou du moins l'annonce de la mage pour la semaine prochaine. Kevin va nous régaler avec un petit patch. Au niveau des ouvertures, on continue. J'ai cette fois aujourd'hui suffisamment de clés, j'en ai 31. 31 clés, je vous le rappelle. Hein. Alors, on va ouvrir ce coffre en carton. 31 clés en or, 31 sculptures en or, ça serait un bon tirage. Plus un tirage de ouf, moins un tirage tout naze. Mais bien souvent, j'ai des tirages tout naze, malheureusement. Regardons, ça sent le bon tirage bien moisi. Alors, j'ai que 2 sculptures de Céondéoc, donc ça va. Sinon, vous voyez, j'ai 10 sculptures pour 31 clés. Franchement, c'est un bon tirage de Poissard, mais j'aurais pu avoir pire. Hein. Pour 30 clés, j'ai déjà eu 0 sculpture. Les amis, on va pas traîner hein, et on va passer à présent à ce dont je vous annonçais en début de vidéo. À savoir, le KVK de la mort a commencé et j'ai quelques screens à vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment du très très lourd. Alors, le KVK de la mort, c'est lequel? C'est très simple, c'est le KVK du 1556 notamment, mais pas que. On va faire une recherche terra plus vite. Vous le voyez, ce KVK a commencé et il n'y a pas de brume. 1945, 1846, 1556, 1664, 1474. 12,54, 10,75, enfermé. Et le 10,93, ça vient tout juste d'ouvrir au reset. 6h, 45 minutes et 55 secondes. C'est tout frais. Et regardez, donc le placement, eh bien, celui qu'on avait vu et celui qu'on voit sur la miniature. Et on a bien au centre le pauvre 10,75 qui est enfermé. Mais regardez, hein, ça se déploie à une vitesse supersonique, vraiment tous, ils sont déjà étendus partout. Ah, le 74, lui, est moins étendu. Pareil, non, de ce côté-là, ils sont bien étendus. On va aller au sud, c'est bien étendu. Lui aussi, il va être enfermé, il va pas pouvoir sortir. Il va pouvoir s'éclater avec le 1254. Le 1254, bien étendu. Regardez combien il y a déjà de forteresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 forteresses déjà sur le 1254. On va compter les autres. 5, 7 aussi du côté du 10,93, du côté du 15,56, 2, 4, 6, une de moins, du côté du 10,75, 2, 4, 6, 7, 8, 9 du côté du 10,75, et pour finir, le 18,46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au nombre de forteresses, pour le moment, c'est le malheureux 10,75 qui est enfermé, qui gagne. Et d'ailleurs, regardez ce petit bug là, la porte, elle est bleue ici, alors qu'il n'y a pas de porte ici, les amis. Donc, joli bug, très sympa. Ça doit être un bug lié à mon KVK où il doit avoir une porte ici. Et donc, parfois, quand on switch, on a quelques bugs d'affichage comme ça. Regardons s'entraîner les stats du pré-KVK et les stats de ce KVK de ouf. Déjà, pour commencer, qui a gagné le pré-KVK? Regardez, c'est le royaume vert, le royaume donc de, je ne sais pas ce que c'est, la nature, le 12-54 avec un score assez énorme, mais on a déjà vu plus, hein. 4 696 450 000, suivi du royaume de Kéton, le 1945, hein. Donc les deux alliés sont premier et deuxième, c'est les deux seuls à dépasser les 4 milliards.
En troisième position, le vent, le 1556, juste en dessous des 4 milliards, 3 milliards 916 millions. Puis le 1075 de Chizgul à 3 milliards 332 millions. Et ferme la marche des 5, le 1846, bien en dessous, 2 milliards 600 millions. Mais ce n'est pas le dernier, hein, on le voit bien, regardez la suite. Hein. On a par la suite le 1093, le 1664 et le dernier, le 1474. Alors là, le 1474, franchement, il est vraiment, vraiment à la ramasse. C'est un impérium. Le score est très faible. Même le 1664, le score est très faible. Hein. Et pourtant, regardez, le 1093 a lui tenté de monter. Ça va vraiment être très serré. On le remarquera aux équipes et on va suivre de très près. Mais en tout cas, premier, deuxième, ils sont ensemble, 1945 et le 1254. Ils sont assez énormes. Si je dis pas de bêtises, ils sont ensemble. Ouais. Ça va être assez énorme. Et le classement individuel, alors, qui a gagné ce KVK, ce pré-KVK, pardon, qui a gagné ce pré-KVK? Le pré-KVK ne veut pas dire gain au KVK. Je vous le rappelle, j'ai gagné sur mes anciens royaumes. Alors maintenant que je suis sur le 1256, on gagne les KVK. Mais par le passé, j'ai perdu pas mal de KVK et on avait pratiquement tout le temps gagné le pré-KVK. Regardez donc le score individuel. Le grand gagnant, le roi de la CB, le king, l'un des princes du trash talk, bien évidemment également, c'est Benny du 1254 avec 289 millions. Encore une fois, on a déjà vu plus. Mais il reste premier. Second, Mokot. Alors, certains ont découvert que Mokot était un joueur du PSG. Oui, il a fait d'ailleurs quelques pubs et interviews pour Rock. C'est notre ami, je ne le connais pas, c'est Marquinhos du PSG. Donc, deuxième, Mokot sur le 18-46. Et troisième, Nugget. Alors, lui, pour le coup, c'est le vrai prince du trash talk. Quatrième, Sadani. Et cinquième, Unnamed Soldier, le soldat sans nom. Et regardez donc le 12-54 et 1-3-5. Vraiment très impressionnant. Hein. Il y a eu de la grosse dépense lors de ce KVK, mais le 18-46 aussi, hein, bien placé avec une deuxième position et une quatrième pour Sadani, bien habitué au podium. Regardons le classement des points de Meurthe, mais également le classement des puissances individuelles d'Alliance sur ce KVK de tous les records. Et regardez, ça brûle les yeux. Plus grosse Alliance à 16 milliards 600 millions. D'ailleurs, on va aller jeter un œil au GT60, voir s'ils ont passé la barre des 21 milliards. 16 milliards 652 millions. Les V56, Victorious 56. Hein. Vraiment très grosse alliance, 16 milliards 600 millions, suivi de très très près par les SW du 1075. Encore une fois, le malheureux 1075 enfermé entre le 1846 et le 1556. Il va falloir, ils ne vont pas avoir le choix, il va falloir tout donner sur l'un des deux côtés. Ils ne pourront pas aller des deux côtés. Donc, le 1075 à 16 milliards 537 millions, suivi très proche aussi, très très près. Des TR du 1254 de Bunny à 16 milliards 529 millions et les WIB à 16 milliards 111 millions et les Go 56 à 16 milliards 20. Donc on le voit là, ça brûle quand même. On a 5 alliances au-dessus des 16 milliards, 5 alliances qui sont vraiment dans un mouchoir. Les 3 premières, hein, sont extrêmement proches, voire égalité. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que le 1556 a 2 alliances à plus de 16 milliards, 2 alliances dans le top 5. Rendez-vous bien compte, hein, 2 alliances à plus de 16 milliards, ça fait qu'il y a plus de 32 milliards à 2 alliances. C'est colossal. Je pense que la frontière des impériums se situe à ce niveau de puissance, même si après c'est un top 300 des joueurs. Mais si vous avez un cumul de top 3 ou 4 d'alliances à 16 milliards, à 32 milliards, je pense que vous êtes à la frontière de devenir Imperium ou vous êtes tout juste Imperium. Donc eux, en 2 alliances seulement, et encore, on n'a pas la suite. Hein, c'est vraiment énormissime ce classement d'alliances des puissances de dingue. Et même le 6e, hein, le 1664 qui peut paraître à la ramasse, 14 milliards 291 millions. Franchement, ça brûle de ouf. Et si on passe à présent au point de Meurthe, regardez, hein, c'est vraiment un truc de ouf. 342 milliards pour les TR du 1254. Alors, laissez tomber.
ce score de ouf, suivi du 10,75, 312 milliards. Et les WIB qui paraissent bien loin du premier à 287 milliards, même si c'est énorme. Mais regardez, les WIB tout de suite, deux alliances. WIB, BIA du 18,46, 287, 230 milliards. Puis, bizarrement, regardez, les Go56 et les V56 qui sont dans le top 5. Et pour les V56, qui est l'alliance la plus puissante, seulement 198 et 191 milliards. Donc, ils sont loin derrière le 12,54 et le 10,75. Même le cumul des deux alliances est juste supérieur au premier des 12,54. Donc, ça reste énorme, mais ça paraît faible compte tenu de leur puissance. Assez étonnant, mais on va voir, hein, parce que c'est des royaumes qui, en général, n'hésitent pas à zéro. Et en sortant de ce KVK, de toute façon, ces scores-là vont exploser et vont être clairement désintégrés. Si vous voulez un petit comparatif par rapport au score de mon KVK qui reste un gros KVK, puisqu'on est face au 1365, notamment de l'ancien royaume de Zangbot et de Shuni, et de l'autre côté, on a également notre ami Drago qui ne veut pas se battre contre nous du 1916. Eh bien, regardez, si on va voir le classement et qu'on regarde les puissances d'alliance chez nous, il n'y en a qu'une à plus de 16 milliards, c'est les GST. 16 milliards, suivi de 16 milliards, 108 millions, suivi des WOS, mon alliance à 15 milliards, 387 millions, puis les SOS, 15 milliards, 102 millions, et les Burning Legend du 1365 de nouveau à 14 milliards 3. Mais vous le voyez, c'est quand même bien moins impressionnant que ce KVK de la mort qui a 4 alliances hein, à plus de 16 milliards. Quand nous, il n'y en a qu'une, même si on en a deux de l'autre derrière hein, à plus de 15 milliards. Alors que eux, ça chute très vite à 14 milliards. Ça reste bien plus puissant que notre KVK. Et au niveau des points de meurtre, hein, si on va sur les mises à mort. Alors, ce n'est pas les mises à mort, c'est les mises à mort ici. Voilà les points de meurtre, les GST sont à 330 milliards, très impressionnant. Ils seraient deuxième sur l'autre KVK, presque premier. Vraiment énormissime. Les BLN à 228 milliards. Le cube des deux premiers, c'est le 1365. Vraiment des scores de points de meurtre très, très, très impressionnants. Les WOS à 226 milliards. On est solide aussi, les SOS à 180 milliards. Mais vraiment, là, le 1365, le cumul des deux, ils sont à 500, plus de 550 milliards. Énormissime, là, pour le coup. Ils sont plus balèzes que, de l'autre côté, le 1556 ou le 1254. Les JST, on va vraiment avoir de grosses difficultés avec eux. Et si on regarde le 1916, comme ils sont loin, ils sont 6e avec 118 milliards, bien, bien loin derrière, malheureusement, le Dragocien, on comprend, hein, puisque comme il ne se bat pas à l'ouverture des portes, hein, forcément, ça fait moins de points. On va à présent s'attarder à un autre KVK et on va même en regarder un très rapidement dans les saisons de conquête. Vous allez voir dans les nouveaux hymnes héroïques, hein, on le voit, les nouveaux hymnes héroïques ont tous ouvert. Hein, pour la plupart, ils ont deux royaumes par zone, mais il y en a, Lilith s'est enflammée. Regardez comme vous le voyez là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 royaumes par zone de départ. Ça, il y a 20 royaumes sur ce KVK, le C1-12-17, alors je crois que c'est le plus gros en termes de nombre d'alliances, alors il y en a pas mal qu'on verra, hein. De nombre d'alliances présentes, que je dis pas de bêtises, j'ai déjà regardé, on a aussi celui-là, 2-4-6, ah non, on a celui-là, regardez, c'est tellement long qu'on ne peut même pas voir toutes les alliances, mais qu'est-ce que c'est que ce KVK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 28 royaumes sur ce KVK. Sérieusement, je vais regarder les autres, mais 28, là, ça va être tendu à battre. Hein. 28 royaumes sur le C1-12-06. Là, ça doit être n'importe quoi. Vous imaginez dans la zone de départ comment ça doit être la guerre. C'est mort, jamais vous n'aurez un point de ressources. Ça va être tout bonnement n'importe quoi, ce KVK. Je n'aimerais pas être sur un KVK comme celui-là. Si malheureusement vous êtes sur l'un de ces KVK, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir partager les screens sur le Discord. Car là, c'est vraiment, et même partager ce qui se passe, parce que je pense que là, il y a clairement moyen qu'il y ait de la fight directement dans les zones de départ. Il y a moyen que les mecs se tapent dessus.
Je voulais vous montrer, les amis, pour finir cette vidéo, un jeune KVK en saison 1. Alors, c'est simple, en saison 1, on n'a actuellement que 7 KVK. Deux sont sur la fin, 47 jours et 39 jours. On en a après 1 à 32 jours, 1 à 25 jours, 1 à 11 jours où ça vient de commencer, même 3 et 1 à 4 jours. Donc, celui que je voulais vous montrer, c'est simple, hein, c'est le KVK qui est en train d'avancer du 23-77, le S1. 10-41 avec le 23-84, 23-82, 23-80, 78-83, 80, 79, 77, ils se suivent, c'est un KVK saison 1 bien évidemment. On est sur le nouveau système de map hein, comme la lutte des 8, donc on a une séparation au niveau des zones de départ. Et sur ces jeunes royaumes, alors c'est le bordel malheureusement parce que comme il n'y a plus d'uniformisation de couleur au départ, donc c'est difficile. Mais sur ces jeunes royaumes, on a toujours des alliances qui en veulent. On n'a pas la répartition hein, comme on avait avant avec le plus puissant en haut à gauche et le deuxième par exemple en haut à droite. Vous avez vu, ils sont presque à 3 milliards, ce qui est une très belle puissance pour un premier KVK. Quand en face, ils sont qu'à 1 milliard 1 et sur la zone du milieu là, 1 milliard 3 également. Donc vraiment en haut à gauche, bah peut-être finalement ils ont décidé de mettre le plus puissant en haut à gauche. Donc le deuxième plus puissant serait ici. Est-ce qu'on a une alliance à plus de 2 milliards, 2 milliards et demi ici? Ça voudrait dire qu'ils ont choisi, non, 1 milliard 4. Donc clairement le royaume en haut à droite, en haut à gauche pardon, est nettement plus puissant. Et vous le voyez sur ce KVK, pour le moment il n'y a pas de surprise et c'est pour ça qu'il va falloir le suivre parce que les équipes vont être très fraîches et prêtes à se battre. Regardez, le royaume en Ceylan de ce côté-là n'est pas sorti, il est déjà bloqué. De l'autre côté, je vous le rappelle, hein, on est au niveau du timer, on est, si vous regardez, le S10, les S1-10-41, au niveau du timer, il est clairement, il vient de commencer, enfin comme je vous l'ai dit, il n'a pas encore eu les deuxièmes ouvertures de porte. Elle devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises, dans 3 jours. On est à 11 jours, 7 heures, 1 minute et 12 secondes. Je crois qu'elles arrivent autour des 14 jours. Et donc, regardez, en Zarat, il domine clairement. De l'autre côté, en La Havane, il domine clairement. Donc, il enferme deux royaumes sur les deux côtés. C'est pour ça qu'il faut le suivre. En Chikti, il va forcément avoir du rush puisque le royaume est sorti au sud. Il a un allié. De l'autre côté, au niveau de cette porte-là, c'est aussi sorti et c'est détente. Donc, il va avoir aussi de la fight. Hein. En Okuri, pareil, c'est sorti et c'est pas enfermé, donc il y a du partage de territoire. En Dimbroko, pareil, et pareil en Villa Villa pour finir en Sakaka également. Donc, il n'y a que cette zone-là où il y a une domination de ce royaume. Alors, regardons bien le numéro de ce royaume, c'est le 23-77, hein, une alliance, alors 18+, une alliance russe, 18+. Donc, on va forcément avoir de gros combats en Chiki, normalement, et en Broughton. C'est pour ça que ce KVK est intéressant pour un KVK 1, car il n'y a qu'une seule zone où il y a une alliance qui règne sans partage, et c'est normal, hein, elle est plus puissante. Je n'ai pas regardé la puissance tout de suite ici. On doit être à 1,8 milliard, à pas mal. Donc, ça va vraiment être le KVK saison 1 à suivre. Si vous cherchez, vous êtes beaucoup à le dire sur le Discord, beaucoup cherchent des futurs KVK saison 2, eh bien, vous pouvez suivre ce royaume. Si vous comptez migrer dans une quarantaine de jours à peu près, je pense que ça, alors c'est un royaume, enfin du moins là, c'est une alliance russe sur laquelle j'ai été, mais la main alliance, quelle est la nationalité affichée de la main alliance, les Govéennes, les alliés 23-80, 23-81, donc ils ont deux alliés. C'est vietnamien, donc vietnamien et anglais, 10 millions plus de puissance, déjà une belle exigence. Vous pouvez suivre ce royaume. À mon avis, il sera très prometteur pour son KVK saison 2. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, pourquoi? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.